artiste tout ça. C'est qui la malle? Jamal Mal. C'est la malle. Non, Dana, on est d'Italie. On s'en fout. Gascogne, Brésil, Honduras. Quel est l'objectif avant l'organisation de ce tournoi? L'objectif de l'organisation, d'abord il est festif, il est simplement sans avoir à chercher des objectifs complètement à droite à la ronde, il y a juste l'envie de se retrouver ensemble. Et il n'y a pas tant d'occasions que ça sur la ville où les services peuvent se retrouver sur un événement quelconque. Et je pense que c'est aussi... on a beaucoup de nos collègues qui n'ont pas l'occasion de faire du sport, des choses comme ça, donc c'est aussi ça, c'est à travers ce moment convivial aussi de faire de la pratique du sport et de se retrouver à discuter autre chose que du boulot, que, comme on peut le faire tout au long de l'année. En plus là on est en pleine Coupe du Monde, donc je pense que le foot c'est le meilleur moyen de se rencontrer. Hein. C'est vrai que là, ça fait 6 ans que je travaille sur le Barbier et ce tournoi me permet aussi de voir des gens que j'avais croisés auparavant. Faire en sorte que les gens se connaissent autrement que par l'intérieur du travail. D'accord. Parce que la plupart des gens ici se connaissent dans un cadre très strict, avec une hiérarchie, avec des rôles et des missions qui sont différentes. Là, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef de service. Voilà. On est sur un terrain, on est plus ou moins égal. Plus ou moins. Parce qu'on sait très bien que parfois il y a des enjeux au niveau du travail, des incompréhensions entre les services, mais lorsque les gens se connaissent, c'est plus facile de dire on s'est vu dans un moment plutôt sympa, et là ils se retrouvent autour d'un moment de foot, et c'est plus facile pour débloquer aussi des choses qui peuvent poser problème professionnellement. C'est un sport collectif, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on s'aperçoit que, comme dans le travail aussi, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire seules et qui peuvent se faire que dans un collectif. Bon, ce n'est pas juste courir derrière un ballon, comme plusieurs personnes nous le disent, mais c'est une passion. Moi, personnellement, j'ai envie. C'est quelque chose où j'arrive à me dépenser, à oublier certaines choses. Généralement, le sport, c'est un des facteurs qui est mis en avant pour renforcer les liens entre les gens. Quoi. Alors, vous allez me dire, c'est surtout le foot, essentiellement, c'est pour plutôt un public masculin. On voit qu'il y a des filles. Et on voit qu'il y a des filles quand même, même si effectivement, il n'y en a peut-être pas assez. Mais... J'ai commencé donc, à l'âge de 14 ans. Donc, comme je vous ai dit au départ, c'était pas pour les féminines, c'était pas assez développé. Aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Oh, c'est une petite prestation pour commencer, mais il a été doucement. Bah, sur les matchs, il était assez facile, on va dire ça comme ça, parce qu'on a gagné quand même à 7-0, je pense, 7-0. Mais après, on n'est pas là aussi pour connaître le score, hein. C'est vraiment plus un moment convivial, donc on est là pour s'amuser. Et bien là, on a rencontré le Brésil, qui est le conseil local des jeunes. On les a un tout petit peu sous-estimés. On se dit, ma foi, on va y aller tranquille. Et on s'avérait qu'ils avaient un super niveau, en tout cas, presque aussi bon que nous, on a eu chaud, on a gagné, mais non, c'était vachement sympa et ça m'a permis de redécouvrir des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, parce que même si on travaille depuis longtemps ici, y a des gens qu'on voit très rarement, et voilà, on s'est retrouvés là. Donc, c'était vachement sympa, on a eu chaud, on est content d'avoir gagné.